Salut à tous, bienvenue pour la présentation de l'Urban Trail de Poitiers 2022. Donc c'est déjà la quatrième édition. On vous propose aujourd'hui de découvrir le parcours. Non mais je suis sérieux, c'est le vrai parcours. Mais ouais, kilomètre par kilomètre. Comme ça on va pouvoir voir ensemble un petit peu ce que vous allez découvrir à l'occasion de cet Urban Trail du samedi 10 septembre. On y va ? À tout de suite. Nous sommes derrière l'église Saint-Hilaire, nous sommes déjà au premier kilomètre. Le passage très rapide dès le départ rue Victor Hugo, on est passé devant la préfecture, on a bifurqué pour aller chez les sœurs, ravis de rencontrer les sœurs et leur jardin. Et puis là, donc déjà après un kilomètre, nous sommes ici à Saint-Hilaire, on va continuer direction Blossac. Voilà au kilomètre 2, nous avons emprunté le parc Blossac, donc là on y prend beaucoup de plaisir, avec notamment la fontaine. On est descendu ensuite le chemin de la Cagouillère. Alors on est gentil cette année parce qu'on le descend. Une autre année on l'avait monté, cette fois-ci on le descend. Et puis là on arrive sur les bords du Clain pour un petit peu de fraîcheur. Donc là c'est très roulant pour les deux premiers kilomètres. Pour la suite, eh ben, ça l'est encore. On regarde ça ensemble. Nous voilà au troisième kilomètre devant le cimetière de Chilvert. Le début du troisième kilomètre, on l'apprécie parce qu'il y a de la fraîcheur, on passe sous les arbres, à côté des jardins, et puis d'un seul coup, eh bien, il y a ce qu'il y a à chaque fois, c'est-à-dire du dénivelé, le fameux chemin de Trenbeau. Donc là, c'était du dénivelé, donc c'est là qu'on commence à haïr un petit peu les organisateurs, mais on est aussi ici pour manger du dénivelé, on est à Poitiers ou on n'est pas à Poitiers? Donc voilà, kilomètre numéro 3, allez, maintenant ça descend un petit peu. On s'est quitté tout à l'heure au cimetière de Chilvert, on a pris la rue du versant ouest, alors c'était un long chemin plat, mais un petit peu montant quand même, mais surtout ombragé, donc ça c'était plutôt très intéressant. Puis là on arrive au quartier de Bellejoigne de l'autre côté, on va ensuite redescendre, prendre un petit peu de fraîcheur, c'est là qu'on apprécie ce morceau de parcours. Nous voilà au kilomètre 5 de ce parcours et là vous vous dites chouette. Chouette pourquoi? Parce que là on vous a offert un kilomètre très sympa, assez peu connu des Poitevins, avec l'ancienne ligne des tramways qui passait Poitiers. Et puis on a pris un bras de la Boivre, donc là on a pris un petit peu de fraîcheur après le Clain tout à l'heure. Et donc nous sommes au cinquième kilomètre. Qui dit cinquième kilomètre dit quoi? Dit rafraîchissement et ravito, qui est donc le bienvenu. Nous sommes ici à la Cassette, le skatepark de la Cassette qui nous accueille pour ce cinquième kilomètre. Donc l'occasion de boire un coup, de manger un petit peu, de souffler et après c'est reparti. Nous voilà au kilomètre 6 avec l'IRTS juste derrière, donc vous avez reconnu, Pontachard. On est de nouveau presque dans le centre-ville de Poitiers, dans le quartier de la gare. On s'est quitté tout à l'heure au kilomètre 5 avec le ravitaillement qui fait du bien au corps mais aussi à la tête. Donc là, on en a vraiment bien profité sur le chemin des anciens tramways de Poitiers, une nouvelle fois très ombragé après avoir quitté le skatepark, un endroit assez fabuleux. Donc là, on est prêt à repartir et ça tombe bien parce que ça va grimper. Voici au kilomètre 7, décidément que le temps passe vite. Quoique, là on a pris cher, mais c'est normal, on est là pour ça. Il y a eu le chemin du soleil levant, si vous ne connaissiez pas, c'est comme ça. Donc soleil levant, on voit à peu près ce que ça veut dire. Là on est chemin du roule-cul, on n'a pas trop la signification, si jamais vous l'avez, ça nous intéresse. Kilomètre 7, on va commencer à se détendre un petit peu et respirer, parce que là ça va être très sympa ce qu'on va vous proposer. Peu de Poitevins connaissent l'endroit où on va passer d'ici quelques instants. Et nous voilà au kilomètre 8, ça commence à sentir bon les amis. Alors, cette surprise de dingue de cette année, de cette quatrième édition, le complètement inédit en France, ça ne s'est jamais fait. Et là, forcément, on prend beaucoup de plaisir et c'est des super souvenirs. Kilomètre 8, c'est pas tout à fait fini, mais là, normalement, ça doit descendre. Et nous voilà au 9e kilomètre depuis le... Alors c'est sûr, certains vont nous dire « Ah, les enfoirés !» Bah oui, ça descendait. On passe à un endroit où il y a des druides. Ça, ça valait vraiment le détour et ça restera peut-être une des images de cette quatrième édition. Donc là derrière, bah on est presque arrivé. Il y a un petit coup de cul encore ou deux, mais après c'est que du bonheur, il suffit juste de dérouler. Et bien voilà, la boucle est bouclée, nous sommes au 10e kilomètre. Alors forcément, on se régale dans la dernière partie avec ce viaduc pour nous seuls, ce passage aux tables complètement incroyable, et puis comme d'habitude à la fin, la cerise sur le gâteau avec le passage dans l'hôtel de ville. Donc forcément, ça vous a plu. Alors, puisqu'on est entre nous, je vous le dis quand même,
On a fait un peu plus cette année, un petit geste commercial. Vous avez vu, ça fait 4 ans, 4 années où on ne change pas le ticket d'entrée. 5 euros pour les marcheurs, 10 euros pour les coureurs, pour faire un 10 km. Et bien là, comme on veut faire un peu plus, il y avait un petit peu plus que 10 km. Mais bon, forcément, vous en avez pour votre argent. Et ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Allez, on se retrouve, à tout de suite.